Il y a des cadeaux que je regrette. Oh, c'est pour moi. Joyeux Noël, madame. Oh, oh, oh. Salut. Papa et maman Noël sont de sortie. C'est un jour très important aujourd'hui. Oui. On a décidé de vous offrir pour 10 000 euros de cadeaux. 10 000 euros. On a demandé à notre communauté YouTube d'être nos complices pour faire plaisir à leurs proches. Du coup, on va passer toute notre journée à réaliser les rêves des gens. À leur mettre un peu de magie dans leur vie, à fêter Noël, moi. Exactement. Alors, tout au long de la journée, on a prévu plein de surprises différentes. Elles ont une chose en commun, c'est que personne s'y attend. On a trop hâte. Ce matin, c'est Maman Noël qui s'occupe de la première mission. Et pour le coup, Papa Noël va s'occuper de notre petit lutin. On y va, c'est parti. Salut, ça va ou quoi? Première livraison, on y va, c'est parti. Alors comme vous savez, je suis une amoureuse des animaux. Il est juste là. Je vous en dis pas plus, on se retrouve tout de suite. Vous allez voir, ça va être trop génial. On y va, c'est parti. Je suis en direction de chez Laura. Laura, c'est la meilleure amie de ma belle-sœur, donc la sœur de mon chéri. Et en fait, elle rêve d'avoir un petit chat depuis très longtemps. Et donc du coup, ben, on s'est débrouillé pour aller chercher ce petit chat, pour aller chercher tout ce qui va avec, la litière, la boîte pour le transporter. Tout, en fait, qu'elle ait besoin de rien faire tout simplement et juste de kiffer son cadeau. Donc, on va voir Laura tout de suite. J'ai trop hâte de voir sa réaction, bordel. Attends, parce que je conduis. Il y a un bus. Ah ben oui, mais oui, mais oui. Il y avait une priorité, j'ai failli me prendre le bus plein de fer. Je me suis cachée dans la salle de bain en attendant que Laura s'habille. Depuis quelques jours, on prépare cette surprise-là. Je lui ai fait croire qu'on allait prendre un petit déjeuner en bas. Mais en fait, on va pas le prendre. Mais pour une bonne raison, c'est pour que Alicia ait le temps de monter entre-temps. Parce que je lui ai amené les clés, tout mettre en place. Le temps que nous, on finisse le café et qu'on monte. Ça va être exceptionnel. On est chez Laura, on a le petit chat qui est dedans, il est un petit peu en stress le pauvre, donc du coup je vais devoir le sortir doucement et il est un petit peu peureux. Petit malou. Viens petit chat, viens. Je sais, mais regarde, on t'a trouvé une jolie famille, tu vas voir, elle est très gentille Laura. Hop, on ferme la cage, on essaie de pas faire trop de bruit, je vais pas t'affoler. Mais je sais, on t'a trouvé une bonne famille, tu vas voir, elle est gentille Laura. Bonjour. C'est ta maison. Bon, en tout cas, j'ai hâte de voir la réaction de Laura parce que c'est son rêve. Donc, on va voir. Laetitia, notre complice, était avec elle en train de boire un café en bas parce qu'on a oublié de vous prévenir. Elle nous a donné les clés. Et du coup, Laura va rentrer et c'est pas du tout qu'on est là. Il y a pas mal de gens qui nous ont écrit pour avoir un animal, justement. Mais après réflexion, on s'est dit, allez chercher un animal en association, c'est cool. On va sauver un petit chat ou on va faire plaisir à quelqu'un. Le problème, c'est qu'on connaît pas les gens. Donc on s'est dit, honnêtement, faire un cadeau à quelqu'un, oui, d'un animal, oui, mais pas à n'importe qui, quelqu'un qu'on connaît, parce qu'il y a des gens après qui ont des animaux, et au final, l'animal, il finit on ne sait où, dans la rue, je sais pas quoi. Donc là, on sait que Laura, c'est une personne très bien pour ce cadeau, au moins on était sûr d'avoir quelqu'un de carré, quoi. Je suis excitée, j'ai peur. Putain, fallait fermer le verrou. Il y a mon bébé dans cette boîte. Oui. Mon bébé dans cette boîte. Vraiment. Qu'est-ce qu'on confie? Je parlais doucement. Qu'est-ce qu'on fait là, ton avis? Mais je sais pas. Mais je sais pas, j'ai une boîte devant moi. Une boîte devant toi. Qu'est-ce que c'est? Mais je sais pas, ouvre. J'ai peur. Pourquoi t'as peur? J'ai peur. Faut pas faire beaucoup de bruit. C'est dangereux. C'est dangereux. C'est mignon. Oh non! Non!
très peur, c'est pour ça. Oh non. Oh mon bébé. Oh non. J'ose même pas le toucher. Donc ta croquette, t'as la caisse de transport, tout. Voilà. Bon cadeau de Noël. Joyeux Noël. De la part de... Avec oh meuf. Mon Dieu. C'est pas possible. Mon amour, tu vas être bien avec moi, t'inquiète. Ben oui. Putain, oh mon Dieu. N'aie pas peur, mon cœur. Mon amour. Oh, merci beaucoup. J'ai choqué. Merci beaucoup. On pleure tous, du coup, mon amour. En plus, on en parlait hier soir. Oh, elle va juste mettre les griffes sur le pull. Et elle va se cacher. Où je suis, moi? Mais où je suis, moi? Il y a 3 mois. On t'a eu donc pas mal de nourriture pour le chat. En fait, c'est Jaffy, donc c'est une marque française. C'est de la nourriture qui est au top. Nous, c'est ce qu'on donne aux chats qui sont devant chez nous. Ok, top. Et nous, on a des chats, c'est pas, ils sont pas à la maison, mais c'est des chats qui vivent dehors et on leur donne à manger. J'adore. Et on leur donne Jaffy et ils ont un poil de ouf. Et franchement, c'est très qualitatif. Tu peux faire personnaliser du coup le sac de croquettes avec le nom. Je vous montre. Monette. T'as tout ce qu'il faut pour tout d'année. Voilà. Donc du coup, maintenant, t'es au top. Tous les amoureux des animaux, vous savez maintenant que vous devez opter pour Jaffy pour prendre soin d'eux, de leur estomac, de leur santé et aussi pour vous faciliter la vie. Avant tout, Jaffy, c'est une alimentation saine et personnalisée avec un taux élevé en protéines et avec des ingrédients d'origine naturelle, tout ça grâce à une fabrication française. Ce qui fait toute la différence, c'est que Jaffy personnalise les recettes en fonction du profil de notre propre animal, ce qui nous permet d'être sûr d'avoir la recette parfaite pour eux. Et en plus, grâce à leurs 3 saveurs différentes, poulet, poisson, bœuf, on est certain que nos animaux vont kiffer ce qu'il y a dans leur gamelle. Avec le code MATCHJAS, vous avez plein d'avantages. Puisque vos animaux font partie de la famille, alors nous, on a choisi le code MATCHJAS puisque c'est notre famille à nous. Avec ce code, vous aurez moins 50% sur votre première commande et vous aurez plein de cadeaux. Voilà. Des peluches, des friandises, que ce soit chien, chat à la maison, vous aurez plein d'avantages. Mais ce n'est pas juste un cadeau pour les animaux, c'est aussi un cadeau que vous faites à vous en optant pour Jaffy. Exactement. C'est le top. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on va faire les courses, il faut noter sur la liste de ne pas oublier la bouffe pour les animaux, que ce soit les croquettes ou ce que vous voulez. Là, c'est un programme nutritif, du coup, vous le recevez à la maison tous les mois. Et si vous voulez arrêter, vous allez juste aller sur le site et c'est hyper facile. Et vous pouvez le modifier, vous pouvez faire ce que vous voulez. Plus besoin d'aller aux courses, plus besoin de vous prendre la tête. Jaffy s'en occupe pour vous. Voilà. Joyeux Noël. À vous et à vos animaux. Merry Christmas, everyone. Je crois que la première surprise, elle est réussie. Ah ouais, franchement. Première mission accomplie. D'accord. Du coup, là, on va pour la deuxième mission. On y va? Allez, on y va. C'est parti, je suis hyper contente, c'était trop mignon, c'était le rêve de Laura d'avoir un chat, ça c'est fait. Maintenant, on va direction chez Priscilla. On va rencontrer du coup cette petite famille. Je vous explique, Priscilla nous a écrit et nous a dit que le rêve de son chéri, c'était de partir à New York, les amis. À New York avec ses enfants. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec une meuf? Eh ben, ils vont réaliser son rêve. Let's go, c'est parti. Vous avez été énormément à nous écrire et là on va faire des cadeaux maintenant à des gens qu'on connaît pas. Là je vais rencontrer Priscilla. Déjà petite aparté, Priscilla ne sait pas que j'arrive avec le camion. Ah, je vous explique rapidement. Dans notre communauté YouTube, on a laissé un message et on a demandé en fait quel cadeau vous ferait plaisir et est-ce que vous avez envie de devenir le complice, notre complice pour pouvoir faire des cadeaux à vos proches. Donc vous avez été énormément à nous contacter et à nous dire que oui et du coup il a fallu sélectionner un petit peu. Et donc l'histoire de Priscilla nous a touchés, je sais pas pourquoi on aime bien nous, dès qu'on est touché, faire plaisir aux gens, ça nous fait plaisir. Ah, je parlais avec les mains, j'ai compris. Bref. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on a sélectionné Priscilla parce qu'on a été touché par son enthousiasme, sa façon de me répondre, etc. Et il va avoir les billets d'avion ? Oui, c'est pas, ça. Mais il n'y a pas que lui. Hein. Oui, il y a lui, vous et les enfants, quoi, pour 4. D'accord. Voilà. Mais ça veut dire que c'est bon ? Ben, ça veut dire que c'est bon, oui. Dinguerie. Are you ready ? On y va tout de suite, let's go. Ah, je ferme la porte. Surprise! Bonjour. Bonjour.
C'est une dinguerie. C'est incroyable. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous donner les petits bandeaux. Vous allez leur bander les yeux. C'est bon, on y va? En plus, tu vois rien. Faites-moi confiance. Ah, c'est quoi le truc? Déjà, il n'y a pas de bruit. C'est bizarre. Bon, vous êtes prêts? Non. Oh, on est prêts. Une surprise. Vas-y. C'est une surprise. Oui, c'est une surprise. Vas-y. Allez, ouvrez les yeux. Bonjour. Oh. Bah, c'est pas possible. C'est pas vrai. Vous remerciez votre chérie. Non, c'est pas vrai. On part tous les quatre à New York. Mais c'est un jeu, c'est une blague. Fade to gray as you fade away, as you fade away. Gentil, franchement, voilà. Fond du cœur, merci de vous. Avec plaisir. Par contre, on compte sur vous quand vous êtes là-bas, on veut des photos. Hein. Ah oui, des photos, des vidéos, il y aura tout. Ça va être une folie là, la fête qui va se passer. Incroyable. Vous êtes incroyable. Eh bien, merci beaucoup. Merci de vous. On fait un check, si vous voulez. Ah ouais. Tu peux merci. Faire que ça, parce que j'ai aidé. Ah, parce que moi, je vous aurais sauté dessus, tout ça. Même la caméra, moi, je lui aurais sauté dessus, c'est gentil. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, merci pour les cadeaux. Merci. Bon, c'est terminé. Maintenant, on va rejoindre mon chéri parce que c'est à lui de faire les prochaines surprises. En tout cas, je suis trop contente de voir le sourire de toutes ces personnes. C'est génial. Donc, on y va pour la suite. C'est parti. J'ai fini les cadeaux que je devais faire. Maman Noël a terminé sa mission. Je suis trop excitée. Oh, je suis trop contente. Elle avait bien vu sa chérie Priscilla. Merci Priscilla de ta coopération parce que du coup on a réussi notre mission. Ton chéri est comblé, ses enfants aussi. J'ai l'impression qu'ils étaient un peu sous le choc. Donc voilà, c'est génial. Maintenant c'est mon chéri qui prend le relais et qui va lui aussi aller offrir des cadeaux. Ça va être génial. J'ai trop hâte de voir tout ça. Maman Noël. Ils étaient contents. Non, ils étaient à fond, lui il était trop content. C'était un, qu'il partait là, un voyage tout frais payé. Je lui ai dit, elle savait pas du coup qu'il y avait le logement. Ah, j'ai dit, elle a vu le logement. Non, il y a le logement aussi. Ils étaient trop contents, c'était génial. Quelqu'un m'a dit que le mec il était tellement content, il voulait sauter dans les bois. Oui, il voulait faire des câlins. Mais il voulait sauter sur Jade aussi. La caméra, pour ceux qui savent pas, elle s'appelle Jade parce qu'elle est derrière. C'est elle qui nous filme. Il voulait sauter sur tout le monde. Ouais, Samuel, tu veux lui dire un message? Je vais te sauter dessus. Donc, mission réussie pour ce matin. Mission réussie, mon amour. Bravo, oui. Maintenant, c'est à vous d'accomplir la suite de la mission. Allez, je mets ma barre. Papa Noël. Et je vous laisse le petit butin. Oui. Et j'y vais. Joyeux Noël, madame! Donc là, on est en route, on va chez Conforama récupérer un canapé lit pour Aurélie, qui est la maman d'Aaron. Et tu connais ces mamans qui sacrifient un petit peu leur confort pour leur fils? Tout l'amour d'une femme qui vit pour son enfant, tu connais? Moi, j'ai connu ça, parce que ma maman qui nous a élevés quasiment seule, voilà, elle a tout donné. Donc je suis profondément touché par ces mamans qui sont capables de tout sacrifier pour leur enfant. Et donc ça nous tenait grave à cœur avec notre complice Amandine, qui est sa meilleure amie, et bien de lui offrir un nouveau canapé lit qui lui permettra de dormir bien avec un matelas épais. Alors aujourd'hui, Papa Noël, il va chez Conforama pour un petit peu améliorer le confort de l'une d'entre elles. C'est parti. Oh, on reconnaît pas le Père Noël. C'est le Père Noël chelou. Bonjour. Bonjour Père Noël. Vous allez bien? Oui. Je viens récupérer un canapé. Pas de cadeau, pas de canapé, hein. Ça va, les cadeaux. Ça chez nous, hein. Merci beaucoup. Le c*** du Père Noël, vous l'avez déjà vu ou pas? Il a maigri, hein. Il fait un peu de sport cette année. Un peu tant qu'à faire, hein, avec le Père Noël. Qu'est-ce qu'il fait? Père Noël est tombé bien bas. Père Noël fait les poubelles. C'est bien, on va voir. Père Noël. Voilà. Il y a des colis. Oh con, il y a des cadeaux que je regrette. Oh chaud. Père Noël est flambé super chaud. Elle a pas choisi le plus léger. Bonne journée. Merci, bonne journée à vous. Et joyeux Noël. Let's go. Canapé récupéré avec succès.
Mais on n'a pas que ça à offrir à la famille. On a aussi des petites surprises pour Aaron, le fils. Vous allez découvrir ça tout de suite. En espérant qu'on arrive à monter le canapé dans l'appartement parce que il est balèze. Hein. Oh oh oh. Salut Père Noël. Salut. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va. Ouais. Voilà, c'est moi qui fais la livraison aujourd'hui. Bah écoute, surprise. Du coup. Tu sais qu'on avait une chance sur un million que le canapé rentre dans l'ascenseur. Tiens, mon cœur est pas bien. Tiens. Ça fait peur. Non. Impeccable. Il y a un cadeau. Oh putain, j'ai même pas vu. Oh oh oh! Ma chérie! Qu'est-ce qu'on a là? On a un nouveau canapé tout neuf! Avec un gros matelas bien épais! Attends, je vais essayer mon canapé que Aaron va défoncer dans le trou. C'est mignon! Alors, on a d'autres petites choses pour toi, mon bonhomme. Ça va, Manini? Oulala! Tu dis merci, tu prends? Tiens! Prends, c'est pour toi! Tiens, mon pote! Oh, elle est magnifique cette veste! Oh, wow. Et maman, elle avait failli te l'acheter! Ah bon? Mais est-ce qu'elle avait vu ça? Elle avait pas vu. Wow. Parce que son papa Noël il adore, c'est le style. On a vu un beau style. C'est beau style ça ou pas? Mais toi t'es gâté Aaron. Il veut que le chocolat, ni canapé, ni vêtements. Il veut que manger. On essaie de faire plaisir, on fait une petite vidéo YouTube. D'accord. Dans laquelle on fait le tour un peu et on va chez les gens. Et vous faites des cadeaux comme ça. Et on fait des gros de cadeaux. Même. De... Parce que c'est ta meilleure amie qui nous a dit que t'en avais besoin et ça fait plaisir. Et ben c'est voilà. Bien joué. Ça se voit peut-être pas, mais je suis très émue. Avec ça me touche beaucoup. Avec grand plaisir. La vie elle est pas simple, alors franchement ça c'est pareil. Profitez bien de Noël. Merci beaucoup, je vais vous ouvrir en bas. Je viens vous ouvrir le portail quand même. Soyez sages les enfants. Hein. Merci beaucoup. Maman. Maman. Ah oui. C'est mignon, bon allez bon. Bon, je vais pas vous mentir, je suis un peu deg. En vrai, niveau timing, c'était pas la folie parce que j'ai pas eu le temps de remonter après avoir déchargé le canapé. Que là, la famille à qui on voulait faire la surprise est arrivée. Mais bon, le plus important en vrai, c'est surtout d'avoir vu ce petit gamin tout content, tout heureux, émerveillé de voir un papa Noël lui apporter des cadeaux. J'ai senti l'émotion aussi chez la maman, même si elle était pas très démonstrative, tu vois, mais je sentais que ça l'a touché, qu'elle en avait besoin et que ça allait l'aider. Parce qu'elle nous a expliqué en gros qu'elle est obligée de dormir avec son fils sur un matelas, même le sol. Et que du coup, elle dort pas très bien. Et que le projet, c'était de pouvoir dormir dans le salon. Mais pour ça, il fallait un canapé lit convenable, tu vois, et dans lequel elle était confortable. Donc je suis très heureux que papa et maman Noël aient pu un petit peu contribuer à ce confort pour cette maman qui vit toute seule. Avec son petit, qui s'occupe toute seule de son petit. Maintenant, direction, attention, un cadeau encore plus haut, plus grand, plus fou. Oui, allô? Oui, Asia, c'est Jonathan. Oui. J'ai appelé la boutique, donc tout est OK. Ils vont me renvoyer par mail la liste des documents à fournir pour la carte grise. Et moi, je m'occupe d'appeler mon banquier pour qu'il fasse le virement en urgence. Comme ça, si tout va bien, samedi, je peux le récupérer. Un scooter 125. J'ai besoin d'un scooter pour mettre en route. On dirait que j'achète un appartement. Tac. Voilà. Impeccable. Yes. Merci. Ouais, Asia, salut, ça va? Et là, vous m'appelez et moi, je débarque avec le scooter. Ok, parfait. On fait comme ça? Asia était à l'étranger. Elle est rentrée plus tôt que prévu pour la surprise. Sa maman s'est fait voler son scooter il y a un petit moment de ça. C'est pas facile et on a besoin pour se déplacer. Et puisqu'elle s'est fait voler son scooter, Papa Noël a décidé de lui ramener un nouveau scooter 125 pour lui permettre de se déplacer. Donc c'est parti, Papa Noël sur la route en scooter. We'll be right back.
la con. C'est du bien. Tu vois? C'est ça, Papa Noël, tout le monde l'aime. Beau gosse, Papa Noël, t'as vu? Ouais, vraiment très beau gosse. Elle, il faudrait qu'elle reste ici. Tu stresses, moi. Oui. C'était bon? Jade, let's go. Let's go. Je vais sur le côté. Quand c'est bon, je viens me chercher. Ok. C'est bon. Elle est super bien. Je vais faire bon. Ok, parfait, c'est bon. Maman, maman, tu peux ouvrir tes yeux. Joyeux Noël. Merci. Oh oh oh, c'est un très joyeux Noël. Oui. Il y a bien joyeux Noël. Merci. Oh, c'est mignon. Il faut t'enflûter. À ce qui paraît, vous étiez que vous voulez le vôtre. C'est ça. Voilà, votre fille, en fait, elle nous a expliqué votre histoire. Et du coup, avec ma chérie, maman, ouais, on a décidé de vous offrir le scooter. Eh bien, c'est très gentil. Bon, ben, tant mieux, c'est ça. C'est un très, très beau Noël qui s'annonce. Merci beaucoup. Oh, mais non. C'est mignon. Moi qui disais que je ne pleurerais pas. C'est mignon. Bah, bravo à vous. Eh bien, merci. C'est très bien. C'est génial ce que vous faites, c'est adorable. On y va. Merci beaucoup. Ça, on y va. Enchanté. Au revoir. Mission réussie. Allez, Papa Noël, continue sa mission. Ah, mon amour. Ça va? Ça va, mon cœur? Je viens de déposer le scooter. La maman, elle était en pleurs, elle était choquée. Ah, trop bien. Franchement, c'était trop mignon. Et là, ben, direction Darty. Je vais récupérer la surprise pour ma maman. Et ma petite soeur, elle m'a dit, elle m'a demandé si elle allait voir bébé. Je lui ai dit, franchement, ça va être compliqué, je suis pas sûr. Les deux dernières surprises de la journée, mon amour. Cheveux à... Alloura! Oh, la décolle, t'as vu? Pah! Allez, vas-y, prends le frigo. Ouais, c'est ça. Vas-y, prends le frigo. Ma soeur, elle est au courant pour le frigo. Vas-y, dis passe! Vas-y, passe, malade! Mais est-ce qu'il passe dans l'ascenseur aussi? Ok, il est dans l'ascenseur. Père Noël l'a accompagné toujours de son traîneau. Je sais jamais quel accent prendre, c'est incroyable. Père Noël, il a un cadeau pour toi, ça sera plus simple. Alors viens. Je vous présente votre nouveau frigo, madame.
C'est bon, le frigo qui fuit là, c'est pas une passoire. Pas chinois. Frigo, maman. Double porte. Couleur gris métal. Je vous présente Noël chez ma mère. Non, voilà. Tous les ans, elle prend un plaisir monstre à décorer la maison. Celui-là, on va le virer, mais il faut laisser le frigo sans le brancher 24 heures. Vous êtes content? De ouf! Je peux. Ah, tu peux? Bah oui, c'est le challenge. De ouf! Merci, Papa Yonel! Merci, Maman Noël! Merci, mes Papa Noël! Ah. C'est trop beau! Oh, c'est surtout you! Un mec, une meuf, maman! Mon cœur! Merci, merci! Bon, maintenant que le frigo est installé, je me suis retrouvé dans la chambre de ma sœur. Tu peux le constater. Hein. Rangement approximatif. Je vais écrire une petite lettre. Dans cette carte, je vais écrire « Ma reine, dépêche-toi d'aller te laver les mains pour me donner mon premier câlin. Ma mère et ma sœur n'ont jamais fait de câlin, n'ont jamais pris bébé Luca dans les bras depuis qu'il est né. Ils l'ont vu, elles l'ont vu qu'une fois. Là, je leur ai fait croire qu'il venait pas. Et on va leur faire la surprise. Grosse, grosse surprise. Je crois que c'est la plus grosse. Je savais pas ce que ça représente pour elle, c'est ouf. Petit Papa Noël est prêt à aller faire sa surprise. Hein? Bébé Luca, vous êtes prêt à aller faire votre surprise? Équipé de la tête aux pieds. Let's go, let's go, let's go, let's go. Scission. Pisser le sang et tout. Je ne parle pas de la circonstance. Ouais, ouais, après, quel âge, j'avais quel âge. Après sa bébé. Après, ça c'est très propre, mais non. Il y a mon bébé. Oh, il y a mon bébé. Bonjour. Attendez, vous allez le faire par là. Bonjour, mon cœur. Oh mon Dieu. Madame Matija, tu vas te calmer, oui. J'avais le pull, j'avais le pull. On a un carton pour vous. Ma reine, dépêche-toi d'aller te laver les mains et viens me donner mon premier câlin. Mais je me suis déjà lavé les mains, j'en ai mon pire. Va mettre le masque et avec ta clope là. Non, vous avez fait que fumer, toi aussi. Bonjour mon cœur. Tu l'aimais mon fils, hein. Que tu es beau mon bébé. Ah, vous êtes une star, ah, mon fils. Ça y est, vous êtes réveillée. Oh. Voilà. Coucou. Oh là là, coucou mamie Mimi. Bonjour mamie. Mon amour. C'est ta grand-mère, mon fils. C'est ta mamie. Oh là là. Oh, quel cadeau. Mais quel cadeau. T'es une merveille. Oui, t'es une merveille, mon. Allez, au revoir, bébé Luca. Au revoir, petit chat. On rentre à l'hôtel. Première journée cadeau terminée. Papa fatigué. Yeah. 9h du mat, 18 décembre. Opérationnel pour livrer le reste des colis. Les dernières livraisons, direction le Var, et cette fois on va chez ma belle famille. Exactement, on y va. Allez. Let's go. Bon, je vous explique, j'ai dû dire à ma soeur qu'on allait passer la voir, elle vient de m'envoyer ça. Oh, ça me stresse, c'est quoi ta surprise là? C'est une personne, c'est un objet? C'est une personne. C'est stressant en vrai. Yeah. Trois, deux, un, c'est bon. Trois. Oh 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 les enfants. Oh super Noël. Darty.
séchage? C'est le machin séchant. Mais alors, pourquoi t'as pas appelé maman? Pourquoi? J'ai acheté un séchage. Non. Quand? Il y a 3 semaines. Tu l'as? J'ai acheté ce. Jure. Impeccable. Celle-là de surprise. Du coup, ça va me faire de la. Eh non, mais du coup, je vais vendre ma machine. Ta machine et ton sèche-linge, j'ai moins de temps. Ouais, super la surprise. Super. Merde. Super. Famille de musclore. T'as la tronche écrasée. Ça va? Bon, du coup, chérie, on part pour la prochaine livraison. Allez, la dernière. Maintenant, direction le tout dernier cadeau, la dernière surprise. Cette fois, on va chez ma belle-mère. Ma chérie a eu envie de lui faire un cadeau très spécial auquel elle s'attend surtout pas. Là, c'est impossible et elle l'a pas. Cette fois, normalement, on est sûr de la surprise. Et je vous en dis pas plus, mais ça risque de lui faire tellement plaisir que ça va égayer toutes les journées qui vont arriver. Je vous explique, on était sur le point de livrer le cadeau, sauf qu'on a eu une crise express de biberon. Donc je me retrouve devant mon chéri derrière en galère. Scandale, regarde la gueule de la caisse. Qu'est-ce qu'il a perdu ça? Le bonnet, vite. Salut! Oh, c'est une blague ou quoi? Oh, Père Noël! Avec bébé lutin qui me fait la misère. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes des malades, hein? Bonjour. Oh, mais n'importe quoi. En plus, c'est une salle. C'est la salle, j'ai envie de Ma fille, mais... Qu'est-ce qu'elle a? Mais elle est con, celle-là. Oui, c'est pas légère, hein. Nous, c'est ta mamie. Maman, tu t'es lavé les mains? Non, mais je touche pas. Ah, voilà. Merci, Tati. Merci, Tati. Tati et tonton. Et tonton. C'est un mec et une meuf. Un mec une meuf. Merci, un mec une meuf. Chaussons pour la garde. Chaussons pour la maison. Regarde. Maman, c'est quel genre de chaussons? Mais si, attends, t'as pas vu les autres. Ah. Hé, chérie, j'ai des nouveaux chaussons. Sexy les chaussons. En l'an de grâce 1123. Merci beaucoup, c'est vraiment un cadeau qui me... Tous les cadeaux ont été livrés. C'est ça. Bravo maman Noël. Bon, maintenant on va aller vider la voiture, on va rentrer à la maison, se déshabiller et on va partir en vacances. Ça va nous faire du bien. Dans notre bordel, on va vous dire au revoir. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Merci de commenter, merci de nous soutenir. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien rater. Active la cloche, comme ça au moins tu recevras une notification à chaque fois qu'on met une nouvelle vidéo. Il nous reste plus qu'à vous souhaiter de très bonnes fêtes. Oui. On espère que vous vous gâtez les uns les autres, que vous kiffez. Voilà, gardez le sourire, on vous embrasse très fort. Bisous. Ciao.